Comme chaque samedi, France Culture vous prie d'écouter Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Dostoïevski par Stanislas Fumet. Avec le concours de Constantin Andronikov, Dominique Arban, Olivier Clément, Paul Evdokimov, Nina Gorfinkel, Boris de Schleuser et la voix de Renaud Marie. Assistante de réalisation, Nicole Guesveller. Le nom de Dostoïevski a été introduit en France à la fin du siècle dernier par le vicomte Eugène Melchior de Voguet, auteur du roman russe. Dostoïevski se présentait alors aux Français comme un barbare génial, doué d'une puissance d'écrire indubitable mais assez mal disciplinée. Un peu ce que Turgenev, le plus français des écrivains russes, pouvait penser d'un confrère morose qu'il avait fini par détester. Mais Turgenev, gentilhomme de lettres, était le plus bourgeois des grands écrivains russes. Si je parle de l'introduction de Dostoïevski en France, c'est pour une raison bien simple. Il n'y avait pas d'affinité native entre Fédor Mikhaïlovitch et un certain esprit français qui régnait encore dans les années 80. Dostoïevski a volontiers médit des Français, qu'il jugeait dans leur ensemble antipathiques et ridicules. Il se montrait plutôt sévère pour nos compatriotes, qu'il ne connaissait au reste que superficiellement, car Dostoïevski n'avait fait que traverser la France en 1862 pour se rendre à Londres, et son cœur était archi-slavophile en ce temps-là. Dans un second voyage, l'année suivante, en 1863, il avait passé quelques jours à Paris, où il retrouvait Apollinaria Suslova, une femme qu'il a aimée, la Pauline du joueur. Mais les Français ne lui gardent pas rancune de son mépris que nous ne demandons qu'à partager pour Bribri et Mabiche, les protocoles du couple petit bourgeois français qui n'ont de commun avec le Don Juan de Molière que sont deux et deux font quatre, un point c'est tout. Et plus près de Sganarelle que de Don Juan, le dogme de un sou est un sou. Dostoïevski n'a pas été au début mieux compris en France que chez lui. C'était un criminologue morbide. On se laissait dire par les Russes amateurs d'une rhétorique banale que Dostoïevski écrivait mal, parce que le style de ses romans est inimitable, ce que la traduction française ne laisse pas toujours soupçonner. Et un grand traducteur comme Boris de Schleuser ne manquera pas de le dire, lui aussi. Le romancier donnait à chacun de ses personnages un langage approprié, commandé par une âme individuelle et une culture spéciale. Or, si un auteur a trouvé en lui-même toutes les nombreuses figures qu'il a peintes, c'est bien l'auteur de Crimes et Châtiments, des démons ou des frères Karamazov. Mais ce qui rattachait curieusement, en sens inverse, Dostoïevski à la France, c'est l'action qu'exercèrent sur lui des écrivains de chez nous qui étaient loin d'être de sa classe. Il avait lu Eugène Sue, comme tout le monde à son époque, et il rêvait de décrire les mystères de Saint-Pétersbourg comme le français l'avait fait pour les mystères de Paris. Plus tard, il pensera au Candide de Voltaire, il l'a écrit, avant de composer l'Idiot. Il aimait Jean-Jacques Rousseau, comme le lui reproche Bilinski, avec lequel il se brouille après l'avoir adoré dans sa jeunesse et à qui sa réputation devait beaucoup. Dostoïevski admirait Balzac, il avait traduit Eugénie Grandet. Il mettait très haut Victor Hugo et avait commencé pour se former par dévorer les écrivains socialistes français Fourier, Saint-Simon, Victor Considérant, Cabet, Proudhon et sa très chère Georges Sand. Enfin, s'il avait imité Dickens, comme tant d'autres écrivains le firent, c'était pour le transplanter dans un sol mystique. Car il y a toujours ce sol mystique, cette mer, terre humide, que baisera Alyosha Karamazov à la façon des paysans russes, cette terre de la Sainte Russie, qui est un élément spirituel et sensible à la fois, un symbole sacramentel, si l'on veut, ou plutôt une analogie du sacramentel, comme si, pour le peuple russe,
Jésus avait foulé ce sol évangélique sur lequel auraient poussé par miracle des icônes sacrées. En fait, les Russes attendaient le retour du Christ promis par les évangiles et se persuadaient que le second avènement aurait lieu chez eux, en terre russe. Il faut dire que le Christ nous est un peu revenu sous une forme russe, grâce en partie au roman de Dostoïevski. La compassion est la note que cette littérature russe a fait entendre au monde occidental, et la conscience de plusieurs en a reçu un choc, parmi les écrivains surtout, notamment lorsque, dans « Crime et châtiment », le livre qui fit connaître en France le romancier Fédor Dostoïevski, Sonia, la petite prostituée quasi-sainte, entame la lecture de l'évangile de la résurrection de Lazare, pour nous autant que pour Raskolnikov. L'écrivain français, qui a peut-être été le plus remué par l'esprit de compassion qui émane de l'œuvre de Dostoïevski, est le pauvre Charles-Louis Philippe, qui a eu, au début de notre siècle, une influence incontestable sur quelques écrivains de sa génération. L'auteur de Bubu de Montparnasse, de Marie Donadieu, de Charles Blanchard, était devenu un chrétien dostoïevskien. Claudel lui-même avait été profondément frappé par le génie de Dostoïevski et il avait discerné chez le romancier ce sens dramatique qui, pour Claudel, était inséparable du sentiment de la présence de Dieu. Le drame de l'homme, disait-il. André Gide a écrit à Dostoïevski. Mais alors, on peut dire que lui, si perspicace comme critique littéraire, il a passé à côté du Dostoïevski authentique sans le voir, tellement il était occupé à chercher en lui sa propre image. On ne pourrait nommer deux êtres aux tendances plus contraires, en dépit des apparences, que Gide, qui ne sort pas de lui-même, et Dostoïevski, que tout repousse de lui-même, pour projeter au dehors ce flot de création si généreuse qu'est son œuvre. Nietzsche, quand il avait fait la trouvaille fortuite d'un livre de Dostoïevski, que nous traduisons à présent « Écrit dans un sous-sol », avait immédiatement saisi la valeur de ce que lui apportait ce russe. « Il est le seul, déclarait-il, qui m'ait appris quelque chose en psychologie. La voix du sang, comme on l'appelait autrement, se fit aussitôt entendre et ma joie fut extrême. » Entre leurs deux génies, il y a des atomes crochus. On sait que Freud a reconnu dans le romancier russe un précurseur de la science psychanalytique. Il a vu dans la duplicité, le double, que Dostoïevski relève partout en lui-même et dans les autres, l'unité de la personne et ses dislocations possibles, comme le dira Paul Evdokimov. Mais, et c'est ce qu'a noté si justement le dernier exégète français de l'œuvre de Dostoïevski, René Girard, dans son petit livre de la recherche de l'absolu, Dostoïevski du double à l'unité, sociologues et psychologues, les premiers voulant, parce qu'ils reconnaissent dans l'idolâtrie souterraine une forme de ce fétichisme qui imprègne les structures sociales dépassées par l'évolution historique, rendre compte de toutes les données romanesques des frères Karamazov par le fait qu'ils appartiennent à une société féodale en pleine décomposition. Les seconds, les psychanalystes, voulant faire remonter cette même idolâtrie au conflit oedipien, n'ont qu'un tort, c'est de refermer brutalement le cercle de leur description. Ils ne connaissent, dit toujours René Girard, qu'un étroit secteur arbitraire découpé dans le réel et ils veulent toujours déterminer les causes au niveau des phénomènes observés. Eh bien, ce ne sont pas les Français qui nous ont amenés à ce nouvel éclairage des œuvres de Dostoïevski. Des Russes, des philosophes russes, nous ont précédés dans cette investigation. Aujourd'hui, Dostoïevski nous apparaît clairement comme le détecteur privilégié des tendances secrètes de l'âme humaine. Et il n'est plus seulement ici un psychologue, il est davantage, il est, ce qu'ont vu tour à tour Merezhkovski, Berdiaev, Chestov, un pneumatologue, une sorte de devin ou de prophète. C'est dire qu'il est passé du fond de la conscience accessible aux moralistes à ce sous-sol qui n'est plus proprement du conscient. Mais, au lieu de s'incliner, comme le fera la psychanalyse matérialiste, devant les phénomènes de l'inconscient, il les examine à la lueur des yeux du Christ. Et c'est ainsi qu'il découvre des pépites d'or dans ce qui risque de nous répugner, qui est inférieur à la norme et n'atteint pas à un climat de grâce sensible, mais bénéficie des profondeurs de l'humilité. Dostoïevski est le psalmiste qui s'écrie
si ascendero in celum, tu illic es, si descendero in infernum, hades. Si je monte dans le ciel, tu y es, si je descends en enfer, tu t'y trouves, Dieu. Romano Guardini, écrivain et théologien allemand, a envisagé Dostoïevski sous ce jour. Jacques Maritain, dans un petit livre publié il y a 2 ans sur Dieu et la permission du mal, fait remarquer l'importance plus tragique pour la conscience humaine qu'a prise le mal à notre époque. C'est lui, dit-il, qui est à l'origine de bien des formes d'athéisme, à l'origine aussi des angoisses de ce qu'on pourrait appeler chez beaucoup la conscience chrétienne offusquée. Par l'importance tragique dont je parle, quelques grands écrivains et grands poètes ont été touchés beaucoup plus à vif que les philosophes et les théologiens. En cela, ils ont été des sortes de prophètes. Le plus grand de ces prophètes, la plus grande de ces âmes offusquées et torturées, ça a été, à mon avis, Dostoïevski. Ce Dostoïevski de Maritain n'est pas celui d'André Gide, mais bien celui du monologue polyphonique, titre si justement appliqué à l'œuvre de Dostoïevski par sa plus récente biographe, Dominique Arban. Si Dostoïevski n'avait rien d'un prophète, la légende du grand inquisiteur ou l'entretien d'Ivan avec le diable, ces 2 tours de l'étrange édifice religieux que forme le roman des frères Karamazov, n'auraient jamais pénétré si avant dans le mystère d'iniquité et dans cet appel au Dieu de miséricorde qui s'en dégage. Nicolas Berdiaev voyez que, dans la légende, il était infiniment moins question du catholicisme romain, en dépit de la lettre, que du communisme athée avec son palais de cristal que pressentait Dostoïevski et dont les démons voulaient posséder, élabore la doctrine à la fois si juste et si infernale. Car le grand inquisiteur, qui a compris que le pécheur n'aime pas la liberté, a horriblement raison. On lit aujourd'hui ce poème, puisque c'est ainsi que l'appelait Ivan, d'un autre œil. Et de même, quand on entend les bouffonneries de ce diable, qui est notre dédoublement critique, qui nous domine et que nous retenons en voulant l'exorciser, nous trouvons Freud opaque. C'est cela, vraisemblablement, qu'il convient d'appeler le don de prophétie. Vous êtes l'auteur, Nina Gorfinkel, d'un Dostoïevski notre contemporain, une étude qui a paru en 1962, dans laquelle vous insistez très utilement sur les aspects politiques et sociaux de l'œuvre du romancier. Dostoïevski était un écrivain engagé, nous direz-vous, et c'est sous ce jour que vous le faites revivre. Si la notion d'engagement est née dans la littérature française de la Résistance, elle est aussi vieille en Russie que l'opposition littéraire au tsarisme. Cette opposition apparaît sous Catherine II avec les premiers porte-parole de la pensée politique et sociale de la jeune société en formation. Toutefois, ce n'est pas encore l'expression de l'opinion publique. Celle-ci se formera plus tard, au début du XIXe siècle, et singulièrement après 1812, lorsque l'invasion napoléonienne aura amené les Russes à prendre conscience de leur entité nationale face à l'Occident. C'est alors que naîtra le premier mouvement public russe, celui des décabristes, dont le soulèvement le 14 décembre 1825 marquera l'entrée de la Russie dans la voie révolutionnaire. Sous le règne de Catherine II, les hommes cultivés, nourris de la pensée des encyclopédistes, sont encore rares. Seules, des voix isolées s'élèvent contre l'absolutisme éclairé de la souveraine. C'est d'abord la voix de Nicolas Novikov, fondateur de la presse russe
éditeur de revues et d'ouvrages de vulgarisation, qui ose entamer une polémique avec l'impératrice. Au-delà des belles déclarations libérales de la tsarine, il la juge sur ses actes, qui en sont la négation. Extension des privilèges de la noblesse entraînant celle du servage. Justice de classe, répression inexorable de toute pensée critique. C'est ensuite la voix d'Alexander Radichtchev. Elle est si puissante que tous ceux qui lutteront pour la liberté du peuple, de Pouchkine à Lénine, ne cesseront de s'y référer. En 1790, Radichtchev fit paraître son célèbre essai « Voyage de Pétersbourg à Moscou » où, chemin faisant, il mettait en lumière la misère et les effets de l'oppression. La troisième voie, la plus efficace, parce que parlant le langage du génie, fut celle de Denis van Wiesen, le premier grand auteur dramatique russe qui, en 1778, dans une comédie fameuse, Le Mineur, stigmatiser le servage et les droits exorbitants de la noblesse sur les âmes serfs. Terrorisée par l'explosion de la Révolution française, Catherine II réprima ses voix importunes. Van Wiesen, lui, échappa à la vindicte impériale, à la faveur, si l'on peut dire, d'une maladie mortelle qui ne tarda pas à l'emporter. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, les écrivains russes, combattant de la cause du peuple, savaient à quoi s'en tenir. Au début de son règne, Alexandre Ier fit des promesses libérales. Elles ne furent pas tenues. Pouchkine, tout jeune, auteur d'une ode à la liberté qui reprenait le titre et les thèmes d'une ode semblable de Radichtchev, était éloigné de la capitale. Au moins son absence préserva le poète du sort qui était réservé à ses amis les décabristes, le gibet ou le bagne sibérien. Nicolas Ier reprenait en plus dur la politique antilittéraire d'Alexandre Ier. Cependant, la figure des décabristes, révolutionnaire inefficace mais idéaliste courageux, auréolé du martyr, entra très vite dans la légende dont furent nourries l'adolescence et la jeunesse de Fédor Dostoïevski. Fils d'un médecin de l'hôpital des pauvres de Moscou, où il avait vu le jour en 1821, issu de petites noblesses besogneuses, Dostoïevski se sentit toujours plus près des roturiers que de nobles. Il était solidaire de la nouvelle génération des écrivains professionnels qui, difficilement, se frayaient un chemin parmi les auteurs nobles bien nantis. Dans l'épilogue de l'adolescent, il s'en prenait à Tolstoï, à cette littérature domaniale de propriétaires fonciers qui travaillaient en paix, loin du tumulte des villes, loin surtout de l'actualité, et qui, en conséquence, écrivaient, disait-il, des romans historiques. Car, aux yeux de Dostoïevski, non seulement Guerre et paix, mais aussi Anna Karénine était un roman historique, de même que Turgenev ne faisait que feindre de s'intéresser au temps présent. Ils appartenaient en réalité à un passé révolu. Dostoïevski ne fut pas seulement un grand romancier, mais aussi un grand journaliste dans la ligne des Camus et des Bernanos. Il oscillait sans cesse du roman au journalisme. Ses réflexions comme ses sujets s'alimentaient de faits divers. À côté des interrogations permanentes de l'âme, il scrutait les problèmes de l'heure présente. Les thèmes de ses articles et de ses livres se répondent et s'entrecroisent, qu'il s'agisse de l'opposition Asie, Russie, Occident, de catholicisme et d'orthodoxie, de la jeunesse ou de la justice divine et humaine. On ne peut comprendre Dostoïevski qu'en embrassant l'ensemble de son œuvre et de sa vie. De 1821 à 1881,
60 années qui se confondent avec la période de bouillonnement intense de la pensée russe, irruption de lave qui cherche encore sa forme. D'immenses lectures enrichissaient le jeune Dostoïevski, à côté des classiques grecs et français et de Shakespeare. Une place de choix appartenait aux auteurs qui plongeaient dans l'univers social et moral. Au tout premier plan, Victor Hugo et George Sand. Mais le dieu de son Parnasse était Schiller, poète des tyrannicides, auteur des Brigands de Don Carlos, de Cabale et Amour. Ce n'est pas seulement un grand poète universel, c'est notre poète, disait-il. Le thème schillerien, idéalisme, humanisme, haute morale sociale traverse toute l'œuvre de Dostoïevski pour s'épanouir dans les frères Karamazov avec la confession effrénée de Mitya qui, à la veille d'être condamné pour parricide, épanche son cœur ardent dans l'hymne à la joie. C'est à la lumière de cet idéal littéraire qu'il faut aborder les vicissitudes politiques de la vie de Dostoïevski. À 25 ans, plongé dans l'atmosphère poétique et philosophique des années 1840 russes, atmosphère dominée par Schelling et Hegel, Dostoïevski, disciple du grand critique russe Bilinski, était aussi schillerien que socialiste. Lui-même disait que nulle part en Europe, et même en France, on ne professait avec autant d'enthousiasme le socialisme utopique français et que nulle part ailleurs, on était aussi 48 heures. Il s'abreuvait des œuvres de Fourier, Cabet, Saint-Simon, considérant. Sans doute l'eût-il aussi Proudhon et Auguste Comte, mais il convenait moins à sa sensibilité. Aussi, est-ce toujours au romancier journaliste, polémiste acharné et émotif, et non au théoricien, qu'il faut songer en évoquant Dostoïevski. On comprend dès lors que sa première œuvre, parue en 1845, fut un roman social, Pauvres gens. Écrite sous forme de lettres, c'est l'histoire d'un petit fonctionnaire misérable au cœur pur. Il aime une jeune fille, mais on vend celle-ci à un homme riche et brutal. Le fonctionnaire humble et humilié n'est pas de taille à s'opposer au cynisme, à la violence, à la toute-puissance de l'argent. 15 jours après Pauvres gens, paraissait une autre nouvelle que Dostoïevski avait travaillée parallèlement, le double, où un thème similaire était traité. Le petit fonctionnaire humilié y devenait une flottante épave humaine. Dostoïevski introduisait ainsi dans la littérature moderne la notion de déréliction. Il exploitera jusqu'au bout, jusqu'à l'abîme, dans les notes prise au sous-sol, le sous-sol de l'âme. En même temps, il développait le thème des pauvres gens dans Humiliés et offensés. Dans ses grands romans, les deux aspects de l'analyse ne cesseront de s'entremêler. Tel est le fond sur lequel nous apparaît l'engagement personnel de Dostoïevski, homme et citoyen. Vers 1847, il adhère au cercle clandestin de Petrachevski. Ce curieux homme réunit chez lui, tous les vendredis, de jeunes intellectuels. Il met à leur disposition la vaste bibliothèque qu'il a réunie d'une manière bizarre. Fonctionnaire aux affaires étrangères, préposé aux biens des étrangers tombés en déshérence, il achetait son dévolu sur nombre d'ouvrages interdits en Russie, et notamment sur les œuvres des socialistes français. Lui-même était fourriériste. À ces vendredis, on discute, on échange des propos sans fin sur le socialisme, l'économie politique et bien sûr sur les réformes les plus urgentes, à commencer par l'abolition du servage et l'attribution de terres aux paysans. Le problème religieux tient une grande place dans ces entretiens. La doctrine de Saint-Simon ne débouche-t-elle pas sur un nouveau christianisme? Cabet ne préconise-t-il pas le vrai christianisme selon Jésus-Christ? Le pédagogue Milukov, un ami de Dostoïevski, donne lecture aux Petrachéviens
de sa traduction en slavon liturgique d'un chapitre des paroles d'un croyant de Lamennais, traduction que Dostoïevski juge supérieure à l'original. Lui-même lit à haute voix aux assistants la lettre indignée que Bilinski écrit de l'étranger en 1847 à Gogol, sombré dans un étrange mysticisme. Il prêche la résignation et exalte la monarchie, l'orthodoxie et le servage. Bilinski rappelle à l'ordre l'auteur du Révisor et des âmes mortes. Cette lecture sera retenue contre Dostoïevski comme principal chef d'accusation. On établira aussi qu'il emprunta au cercle des livres subversifs. Quant à l'idéal révolutionnaire des Petracheviens, il demeurait vague. Fomentait-il vraiment un complot? Si quelques-uns d'entre eux y avaient songé, aucun plan, tant soit peu précis, n'avait été élaboré. Les autorités étaient parfaitement au courant de ces réunions anodines et laissaient faire. Mais 48 mit en rage Nicolas Ier. Ce gendarme de l'Europe n'aimait pas les intellectuels et, à plus forte raison, ceux qui lisent les ouvrages interdits. Le 23 avril 1849, dès l'aube, 48 membres du cercle Petrachevski, dont lui-même et Dostoïevski, sont arrêtés. On découvre chez le second deux ouvrages terrifiants. Le berger de Cravant, entretien socialiste d'Eugène Sue et de la célébration du dimanche de Proudhon. Voilà les Petracheviens enfermés à la forteresse Pierre et Paul. Il nous reste de ces mois de détention quelques lettres de Dostoïevski à son frère Michel. Il a bon moral et demande avec insistance des livres. Shakespeare, la Bible, une revue littéraire. L'instruction est lente. Ce n'est que le 22 décembre 1849 que Dostoïevski sera fixé sur son sort. Pour non-dénonciation de la lettre du littérateur Bilinski, qui constituait un délit contre la religion et le gouvernement, il était passible de la privation de ses grades et droits et condamné à être fusillé. Mais un odieux simulacre est substitué à l'exécution. Au dernier instant, on annonce aux condamnés déjà attachés au poteau qu'ils sont graciés et on leur lit le véritable verdict. Dostoïevski est condamné à 4 ans de travaux forcés au bagne d'Omsk en Sibérie, après quoi il sera versé dans l'armée comme simple soldat, ce qui, au temps de Nicolas Ier, est un autre bagne. Je ne suis ni déprimé ni découragé, écrit-il à son frère en cette fatidique journée du 22 décembre. La vie est partout la vie, elle est en nous et non hors de nous. Autour de moi, il y aura des êtres humains, et le vrai problème est d'être homme parmi des hommes, et de le demeurer sans se laisser ni décourager ni dégrader. Je l'ai compris. Cette tête qui créait, qui vivait d'une vie artistique supérieure, qui s'était habituée à prendre conscience des plus hautes exigences de l'esprit, cette tête, il est vrai, n'est plus sur mes épaules. Mais il me reste la mémoire. Il me reste les figures que j'ai conçues et que je n'ai pas encore incarnées. Elles vont m'écarteler, je le sais. Mais il me reste aussi mon cœur, ma chair, mon sang, et ils continueront d'aimer, de souffrir, de plaindre et de se souvenir. C'est cela, vivre. On voit le soleil. On voit le soleil. Ces derniers mots, Dostoïevski les a écrits en français. C'est peut-être une réminiscence du dernier jour d'un condamné. Dostoïevski quittera le bagne le 22 février 1854 pour être versé dans l'armée. Il ne rentrera à Pétersbourg qu'en 1860. L'année suivante, il se mettra à la rédaction des souvenirs de la Maison des Morts, où il consignera les enseignements profondément humains qu'il aura tirés du bagne.
Dostoïevski a fait faire un pas immense à la psychologie. C'est une évidence. Il a été un explorateur sans égal de ce que nous entendons par la psychologie des profondeurs. Mais il s'est bien gardé, pour sa part, d'étudier l'âme humaine en la soumettant aux seules conditions physiologiques et aux incidences sociales. Je veux dire, en la coupant de ses racines spirituelles sans lesquelles l'âme humaine perdrait toute transcendance. Dans cette prise de conscience du double qui a orienté la démarche de Dostoïevski, je ne puis m'empêcher de penser à cette affirmation célèbre d'un autre explorateur des abîmes du cœur humain, Baudelaire. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. Et puis, pour Dostoïevski, le sous-sol, l'inconscient, le non encore conscient, qui, en se dissolvant dans une certaine lumière, la lumière christique, rend plus riche, après expérience, la production des actes méritoires qui sont enfin des actes libres. Dominique Arban, vous avez travaillé de longues années sur Dostoïevski, vous avez été chercher en Russie des documents précieux. Votre Dostoïevski, le coupable, a été suivi d'un Dostoïevski par lui-même et par la traduction d'une correspondance inédite. Constantin Andronikov, qui est un spécialiste de tout ce qui concerne la pensée et la spiritualité russe, vous donnera la réplique. Moi, je n'ai qu'une question préliminaire à vous poser. Qu'est-ce qui a fait de Dostoïevski le psychologue exceptionnel que nous admirons? Je ne sais pas. Je pense que c'est un des nombreux secrets que nous ne sommes pas aptes à éclairer. Je pense qu'il y a en lui des données suffisantes et surtout une passion énorme de détecter ce qu'est l'homme. Et c'est à partir de cette volition que nous pouvons peut-être imaginer Dostoïevski comme grand créateur d'un monde psychologique. Je pense, en le disant, à une lettre qu'il écrivait à son frère d'un an son aîné, qui était son meilleur et peut-être son seul ami, une lettre qu'il a écrite quand il avait, je crois, 22 ou 23 ans, en tout cas avant sa première œuvre, Les pauvres gens, qu'il a terminée quand il avait 24 ans. Cette phrase me paraît considérable. Voici ce qu'il dit. « L'homme est un mystère, je veux passer ma vie à percer ce mystère, car je veux être un homme. » Il y a là tout Dostoïevski. Qu'en pensez-vous, Constantin Andronikov? Eh bien, si vous m'aviez tout à l'heure posé la question de savoir comment expliquer que Dostoïevski soit un grand psychologue, je vous aurais répondu par une question, à savoir comment expliquer qu'un homme est un génie. Le génie de Dostoïevski est un génie qui s'exprime en incarnant dans des romans des idées. Ce sont des idées qui vont très loin, justement, dans les profondeurs de la psychologie, sinon dans la psychologie des profondeurs. Mais ici, nous essayons un petit peu de décortiquer le génie, et par conséquent, d'essayer de savoir comment ces mouvements profonds de l'âme, qui n'ont cessé de le bouleverser toute sa vie, jusqu'à sa mort, ont commencé à surgir dans les profondeurs de son être. Et je crois qu'on peut remonter très très loin. Puis-je vous interrompre un instant, certes. Constantin Andronikov, vous avez dit tout à l'heure une chose importante, vous avez dit qu'il incarne ses idées dans ses personnages, et c'est évident. Mais il ne faut jamais oublier, et ceci nous ramène à la psychologie immédiatement, qu'il n'a jamais parlé d'idées, il a toujours parlé d'idées-sentiments, avec un tiret entre idées et sentiments. Ce sont des sentiments-idées, ce sont des idées-sentiments. Et pourtant, puis-je vous interrompre, il a aussi parlé d'idées. Et d'idées en tant que telles, je n'en prendrai qu'un seul exemple, un des plus fameux, c'est l'attitude de l'adolescent qui se réfugie dans une idée. Idée Rothschild, ah mais ça, c'est autre dans chose. Dans une idée. Et bien souvent, aussi bien dans ses romans que dans ses correspondances, que dans son journal d'un écrivain, qui est une mine inépuisable d'ailleurs justement d'idées, et aussi de sentiments, il parle de certaines images ou de certains mouvements de l'âme qui, à eux seuls, représentent une idée. Mais il me paraît très important qu'il ait, si souvent, et notamment dans Les démons, fait intervenir le terme idée-sentiment, parce que pour lui, une idée n'était jamais une abstraction intellectuelle. Ah, elle était toujours profondément fondée sur une intuition ou sur une passion. Ses idées étaient d'un ordre passionnel, et il nous l'a prouvé,
sa vie entière le prouve, et ce n'était pas du tout quelqu'un qui élaborait des systèmes. Ah non, pas. Il était le contraire d'un philosophe, en oui. ce sens. Oui, mais les idées, pour lui, c'est ce qu'on peut appeler les vues, c'est synonyme. Mais dans vue, il y a quelque chose de plus intuitif que dans idée, et qui correspond davantage à l'idée sentiment. Il écrit idée sentiment, et c'est une chose d'autant plus frappante que personne avant lui, à ma connaissance, n'a employé ce tiret entre ces deux mots. C'est qu'il, pour lui, c'était ainsi. Peut-être et nous pas en revenons tiret. Là. Oui. À celui qu'il a été, si vous voulez revenir au départ de mon interruption, Andronikov, et justement, vous abordiez quelque chose d'important, c'était son enfance. Oui, je voulais dire simplement, entre parenthèses, que quelqu'un peut-être avait parlé, sinon d'idées, sentiments, mais d'idées vivantes, et qu'il fallait vivre jusqu'au bout, d'une manière existentielle, et c'est de là que ça vient. C'était Kierkegaard, ou comme disait Dostoïevski, oui. Kierkegaard. Oui. Mais pour son enfance, dès le départ, enfin, dès le moment où il devient un petit peu conscient de sa vie intérieure comme enfant, et où nous avons des renseignements là-dessus, nous savons qu'il se heurte à des idées ou des sentiments, en tout cas des réalités de la vie profonde, qui ne cesseront pas de le travailler, et auxquelles il ne cessera pas de travailler toute sa vie. Et c'est d'abord celle de l'injustice, et du paradoxe qu'il y a entre une idée d'un Dieu bon et tout-puissant, et l'idée de la souffrance, et tout particulièrement la souffrance des innocents, c'est-à-dire des enfants. Il y a là deux thèmes dans son enfance qui sont extrêmement visibles et éclatants. C'est le thème de la souffrance des innocents, puisque fils du médecin de l'hôpital Marie, habitant une des ailes de cet hôpital, il était malgré la défense paternelle, constamment en conversation avec les convalescents qui traînaient là leurs maux et leurs misères sur les bancs de ce jardin. Et quelles furent les conversations que ce petit garçon pouvait avoir avec ces gens de la pire misère de Moscou? C'était un hôpital de pauvres. Il y avait 700 lits seulement pour tous les miséreux de Moscou. Il devait donc y avoir... Mais ce n'était pas le seul hôpital. Non. De, c'était de le seul pauvres. Hôpital de la région. Non, non, c'était le seul hôpital de pauvres de Moscou. Et cet hôpital, qui avait été fondé par Elisabeth, était le lieu où affluait la plus grande détresse et sans issue. Et ces malheureux qui finissaient là une grande maladie savaient qu'en sortant, allaient recommencer leur vie sans issue et sans espérance. Il y avait donc la confrontation chez le petit Fédia Dostoïevski, il y avait la confrontation avec l'homme accablé et auprès de qui Dieu ne semblait intervenir d'aucune façon, dans le sens, sinon de la justice, du moins de l'amour. Mais moi je voulais faire allusion à une chose encore antérieure et qui se représentait à lui justement sous la forme d'une idée incarnée Job, par le un livre homme. De Job. C'est naturellement le livre de Job il avait qu'il lit, qu'on lui lit plutôt quand il ne savait pas encore lire, et ensuite, je crois justement quand il avait 8 ans, l'audition de ce livre de Job à l'église, cantilé par le chantre, il pleure. Il pleure sur la souffrance de Job ou sur l'injustice de Dieu, nous ne le saurons jamais. Mais à la fin de sa vie, il écrit à sa femme, ce livre de Job que je suis en train de relire est un livre qui m'a bouleversé quand j'étais presque un bébé encore, et maintenant encore, quand je le lis, je ne cesse de marcher dans tous les sens dans ma chambre, je ne peux pas. Il est probable, naturellement, que l'enfant ne pouvait pas assumer toute la profondeur de ce drame qui bouleversait l'homme mûr, mais qu'il en avait pressenti la profondeur, il en avait pressenti le tragique, car s'il pleure sur ce malheureux Job, dont le Starets Zosim, en mourant, raconte dans Les Frères Karamazov les effets sur lui, comme si c'était son histoire personnelle à lui, Zosim, il est probable que le petit Dostoïevski avait entrevu là quelque chose. C'était un enfant très précoce sur le plan de l'esprit, et il avait entrevu là quelque chose qui n'était pas seulement la souffrance de Job. Peut-être cet univers moral dans lequel il vivait parmi ses parents, ou un univers où il était parfaitement clair où était le bien, où était le mal. Brusquement, les choses éclataient parce que Dieu avait donné le juste au diable. Mais pour un temps, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que Dostoïevski s'en est bien souvenu de cette histoire de Job, puisque
la façon de surmonter cette injustice apparente dans les conditions historiques et temporelles, c'est de l'accepter et d'accepter la souffrance. Et d'ailleurs, Dieu ne donne Job à Satan que pour un temps, mais il lui interdit à Satan de toucher à la vie de Job. Et Job, acceptant, redevient un homme heureux, c'est-à-dire dans la plénitude de son être. Eh bien, les personnages de Dostoïevski, beaucoup plus tard aussi, quand Dostoïevski devient vraiment lui-même, c'est-à-dire le génie créateur à plein, il, je crois, incarnera cette idée de l'acceptation de la souffrance en tant qu'une satisfaction d'un sacrifice suprême, c'est-à-dire dans un domaine spirituel, par les personnages enfin que nous connaissons bien, et vous plus que quiconque. D'ailleurs, je voudrais à ce sujet dire une autre parenthèse, à savoir que l'un de ceux qui ont peut-être le mieux écrit sur Dostoïevski, sous cet aspect-là, est quelqu'un qui a fait un livre très remarquable sur les balances de Job, et c'est Léon Chestov. Oui, mais il est certain que le livre de Job, c'est toute la question que s'est posée Dostoïevski jusqu'à la fin, et on peut dire qu'il n'a jamais accepté les arguments des amis de Job, et au fond qu'il ne trouve vraiment Dieu que malgré lui, quand Dieu s'adresse dans le silence et dans le secret à son âme. Il est certain que la fin de Dostoïevski, qui est une fin religieuse, n'est que quelque chose de comparable à cette fin du livre de Job, où tout est changé quand Dieu, lui, se met à répondre. Mais je crois que si Dostoïevski n'a pas accepté les réponses des amis de Job, c'est pour une très bonne raison, et une raison très dostoïevskienne, c'est que les amis de Job ne souffraient pas comme Job. Exactement. Eux, ils n'étaient pas dans l'expérience, dans l'épreuve, dans le creuset de la justice ou de l'injustice apparente de Dieu, tandis que Job, comme Dostoïevski, l'ont vécu. Si nous avons fait ce saut considérable de l'enfance de Dostoïevski à la fin de son œuvre et à son assomption dans les Frères Karamazov, et il faudrait peut-être alors que nous en restions encore un petit moment là pour montrer ce qui est très important, que le problème de Dieu non plus n'a pas été pour Dostoïevski une aventure simplette. Dostoïevski dit sans cesse « Dieu qui m'a torturé toute ma vie ». Cette phrase revient tant chez ses personnages que dans son œuvre privée, ses lettres ou le journal d'un écrivain. Et les problèmes que cela ouvre sont extrêmement permanents, parce que quand il sort par exemple du bagne, il écrit à Madame von Wisin, qui étant une femme extrêmement importante. C'est en 1854. C'est en 1854, une des premières lettres écrites du bagne. Madame von Wisin était une de ces fameuses femmes de décabristes qui s'exilaient. Et qui lui avait donné l'évangile. C'est ça. Qui s'exilaient en Sibérie à la suite de leurs époux. Et cette lettre, par le ton, par la solennité de l'écriture, par l'importance de la personne à qui il s'adresse, et nous verrons encore pourquoi, est capitale. Je veux simplement en extraire un fragment. « Je vous dirai de moi-même que je suis un enfant du siècle, l'enfant de l'incroyance et du doute. Je le suis à ce jour et je cesse là jusqu'à la pierre tombale. Que d'atroces tortures m'a coûté et me coûte encore maintenant cette soif de croire qui est d'autant plus forte en mon âme qu'il y a en moi plus d'arguments contraires. Et pourtant Dieu m'envoie parfois des instants, je suis tout à fait paisible. À ces instants-là, j'aime et je me sens aimé par les autres. Et c'est à ces instants-là que j'ai formé en moi un credo où tout est clair et sacré pour moi. Ce credo est très simple, le voici. Si quelqu'un me prouvait que le Christ est en dehors de la vérité et qu'il serait réel que la vérité fût en dehors du Christ, j'aimerais mieux alors rester avec le Christ qu'avec la vérité. » Phrase textuellement reprise 20 ans après dans Les Démons. C'est-à-dire que pendant ces 20 années, entre la sortie du bagne et la publication des Démons, Dostoïevski est resté avec cette pensée-là. Avec ce cette qui différence, nous paraît capital. Oui, mais avec cette différence, et je crois que Mochulski, qui a fait un livre admirable sur Dostoïevski, le note avec beaucoup de précision, c'est qu'à l'époque, le Christ pour Dostoïevski n'est pas du tout le Christ des chrétiens théologiens. Ce n'est encore que la personnalité lumineuse de l'homme le plus parfait, le plus bon, le plus compatissant. Et c'est après
qu'il comprendra que c'est aussi Dieu. En d'autres termes, le Christ à l'époque, pour Dostoïevski, n'est pas encore Dieu homme. Ce n'est que l'homme parfait. Et je me souviens d'une phrase du journal d'un écrivain où Dostoïevski, très étonnamment, surtout après ce que vous venez de lire, Dominique Armand, et pourtant, ça le complète, dit de lui-même « Je suis un homme heureux, mais qui n'a pas l'air content. » Alors je me demande à quel moment il était le plus sincère, car il n'a jamais été un homme heureux. Sinon, ni un homme content. Ni un homme content. Sauf à de rares moments. À de rares moments qui étaient d'ailleurs faits de, c'est ça, ou de vanité d'auteur. Absolument. Dont ensuite il s'est flagellé lui-même, n'est-ce pas ? Mais qui ont été très réels. Au moment de ses premiers succès étourdissants, vertigineux, au moment des pauvres oui, gens. Oui, ça ne s'est pas répété par la suite. Et qui ne s'est jamais répété par la suite. Si nous nous sommes attardés sur ce thème majeur de la pensée de Dostoïevski, nous n'avons fait cependant qu'effleurer cette pensée, parce qu'il faudrait des heures pour en élaborer les diverses données. Mais puisque nous parlons de la psychologie de Dostoïevski, et par conséquent de ses héros, car d'une façon ou d'une autre, c'est tout un, et dans la mesure même où il portait en lui des contradictions et des conflits qui alimentaient son œuvre en personnage conflictuel, dans cette mesure, son œuvre est l'accomplissement et l'assomption de sa vie, de sa psychologie personnelle. Et à ce propos, je voulais revenir un petit peu au thème essentiel, aux données premières de cette vie double qu'il porte en lui et qui se réfracte par tous les chemins de sa conscience ou de son inconscience. Il est double en toute matière. Il est double, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'épilepsie est quand même une tension de force contraire qui se résout dans la crise et que ces crises certainement libéraient Dostoïevski de moments conflictuels tragiques. Et en lui, ce conflit se reflète dans toute son œuvre. Par exemple, si nous prenons le thème de l'idiot, c'est un aspect du thème du crime dans l'œuvre de Dostoïevski et du thème de Dieu dans l'œuvre de Dostoïevski. Eh bien, si on regarde les premières aventures des brouillons de Dostoïevski, celui qui sera l'idiot est en même temps le criminel. C'est celui que sera Rogojine, l'homme au couteau, qui sera l'assassin. Or, l'idiot, Mishkin, et Rogojine sont frères. Il semble que ce couple, initialement conçu par l'écrivain en tant que héros qui assassine et qui cependant est un homme de foi, il n'a jamais pu s'en délivrer. Il a créé un autre personnage pour faire l'assassin et ces deux personnages, l'homme parfait, Mushkin, et l'assassin, Rogojine, sont tout le temps identifiés, par exemple par l'amour qu'il porte à la même femme et qui n'est pas toujours une rivalité puisque à divers moments de l'œuvre, chacun abandonne à l'autre le soin de faire le bonheur de cette femme et qu'elle-même ne sait pas lequel des deux elle aime véritablement. Et en plus, cette fraternité est en quelque sorte scellée, je dirais sacralisée, par le fameux moment où Mushkin et Rogojine échangent leur crucifix, comme on échange plus que son sang. Et ces deux individus qui sont nés d'ailleurs d'une idée qui a visité Dostoïevski quand il lisait les comptes rendus d'un fameux procès en Russie où un homme en a assassiné un autre qu'il connaissait à peine et qui lui était très sympathique, lui a tranché la gorge avec un couteau tout en prononçant ces paroles « Seigneur mon Dieu, pardonne au nom du Christ ». Dostoïevski avait été profondément frappé de cet homme accomplissant son forfait tout en appelant à Dieu. C'était, si vous voulez, une réfraction de la psychologie propre à Dostoïevski qui a toujours été tentée par le crime. Et ça, nous ne pouvons pas en douter puisque tous ces héros, d'une manière ou d'une autre, commettent des crimes et qui ne sont pas toujours des assassinats, qui peuvent être des viols d'enfants, mais qui sont toujours des crimes extrêmes, y compris le crime contre lui-même que commet Stavrogin, le péché suprême, le péché sans espérance, qui est le suicide. Dostoïevski a
sans cesse été l'homme de ce contraste qu'il n'a cessé de vouloir réunir et rétablir en tant qu'unité vivante en lui. C'est un des aspects de ces chemins doubles. D'ailleurs, il y en a d'autres. Ces chemins doubles, à chaque fois, il les incarne dans des personnages. Et quelquefois même, il les identifie expressément avec des personnages réels. Je pense à celui qu'il appelait son Méphistophélès. Ah, et Spechnyov. Il a rencontré en 1948 Spechnyov, qui était le premier communiste et qui venait en Russie de Suisse avec mission de créer un combat social réel et non plus ces parlottes dont se satisfaisaient les amis de Dostoïevski. Donc curieusement, Dostoïevski ne s'est plus satisfait à ce moment-là. Il y a une transposition qui me paraît tout à fait significative. Je la trouve dans un épisode de la confession de Stavrogin, que Stavrogin lui-même fait lire à Tichon quand il vient le voir. Dans ce chapitre qui devait être le couronnement des démons et qui n'a jamais été publié parce que les autorités étaient opposées. Et dans cet épisode, la petite fille, la fillette de 12 ans, qui a subi les violences de Stavrogin, vient sur le seuil de la chambre où il se trouve, lui montre le poing, vous en souvenez, et lui dit « J'ai tué Dieu. » « Tu as tué Dieu en non, moi. » C'est ça. Et Stavrogin dit « Elle croyait qu'elle avait tué Dieu. » Si je dis cela, c'est que cette idée de quelqu'un qui tue Dieu en quelqu'un d'autre, c'est un petit peu l'expérience, je crois, que Dostoïevski a éprouvée avec Belinsky. Parce que, à l'époque où Dostoïevski était engoué par Schiller, par George Sand, par Balzac, par Victor Hugo, qu'il appelait des écrivains chrétiens, qu'il était tout entier pris par les idées utopiques de Fourier, par le nouveau christianisme de Saint-Simon, par le vrai christianisme suivant Jésus-Christ de Cabet, des gens comme ça, et qui voulait par conséquent agir dans le sens de cet utopisme pour sauver ses contemporains, son prochain, c'est-à-dire agir socialement, il a rencontré Belinsky, qui lui était un athée délibéré, et qui, par un raisonnement dont Dostoïevski a reconnu la rigueur, a au fond tué Dieu en Dostoïevski à l'époque, et Dostoïevski l'a reconnu. Il l'a écrit à son frère, et ensuite il s'en est longuement expliqué, je crois, dans le journal d'un écrivain, et il a dit qu'il lui avait fallu l'épreuve terrible du bagne et de la Sibérie pour accomplir son tournant, revenir sur toutes ses idées, et croire dans le Christ malgré les arguments de Belinsky qui, pour lui, restaient jusqu'à un certain point tout à fait valables. Parce qu'il reconnaissait que Belinsky, dans son optique, avait raison. Peut-être plus raison que lui dans la sienne. Du rationalisme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans toutes ses œuvres ultérieures, Dostoïevski s'est mis, au fond, d'une manière forcenée et presque désespérée, à combattre le rationalisme, parce qu'il avait éprouvé en lui-même que le rationalisme pouvait tuer ce qu'il y avait, au fond, de plus précieux et de plus fécond en l'homme, c'est-à-dire le sentiment de Dieu. Oui, il y a des choses merveilleuses dans les frères Karamazov quand Dimitri dit « Écartez-vous, Seigneur mon Dieu, laissez passer sa sainteté, la chimie. » C'est tout un monde. Car la veine ironique de Dostoïevski, je crois, mériterait une autre table ronde. Je crois en tout cas que l'on pourrait dire que si l'on pose le problème de Dostoïevski et la psychologie, et si l'on veut parler de Dostoïevski en termes de psychologie, on s'aperçoit tout de suite que c'est impossible de parler dans les limites d'une certaine discipline scolaire qui est la psychologie, et qu'il faut parler tout de suite, au fond, de tout l'homme, c'est-à-dire qu'on n'en finit pas, il faut le vivre. Mais à propos de cet irrationalisme consenti de Dostoïevski, je dirais presque volontaire, il faut rappeler son œuvre qui me paraît la clé de voûte de sa pensée, qui est écrite dans le sous-sol, et reprendre quelques phrases qui pourront même servir de conclusion à cette brève esquisse. Rappelez ce que Dostoïevski pense de la raison. « Et pourquoi donc affirmez-vous avec tant d'assurance, dit-il, tant de solennité, que seul le normal et le positif, en un mot le bien-être, sont profitables à l'homme? La raison ne se tromperait-elle pas en matière de profit? Peut-être bien que l'homme n'aime pas seulement son bien-être, peut-être bien qu'il aime la souffrance tout autant.
Peut-être qu'il profite autant de la souffrance que du bien-être. L'homme aime la souffrance et parfois passionnément. C'est un fait. À vrai dire, ce n'est pas tant à la souffrance que je tiens, ni non plus au bien-être. Je tiens à mon caprice et qu'il me soit garanti quand j'en aurai besoin. La conscience, par exemple, est infiniment plus vaste que vos 2 × 2. Après 2 × 2, bien entendu, il ne reste rien, non seulement à faire, mais même à connaître. Tout ce qu'on pourrait faire alors, c'est se boucher les 5 sens et s'enfoncer dans la contemplation. Or, avec la conscience, bien qu'on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire non plus. Du moins, pourra-t-on se flageller parfois soi-même, et cela quand même, vous ravigote, c'est sûrement rétrograde, mais quand même, c'est mieux que rien. Là est le grand Dostoïevski, le Dostoïevski qui raille ses opposants, parce que ceci est une moquerie à l'adresse de Tchernychevski, qui avait écrit un ouvrage disant que quand l'homme arrivera à donner le bien-être à tous les humains, il sera complètement heureux. Et Dostoïevski là-dessus s'insurge et prétend qu'il préfère la souffrance et que là, ce n'est pas la peine de dire mal ce qu'il vient de dire si bien. Mais je crois qu'il serait peut-être un peu difficile de conclure, en prenant Dostoïevski à la lettre, et en prenant son caprice pour simplement de la fantaisie. Ah mais non, c'est qu'il veut la liberté de l'esprit. Il veut la liberté. Il veut que 2 × 2 fasse 5. Oui, parce que c'est la souffrance qui permet de mieux connaître l'homme, et c'était ça son propos. Je me tourne vers vous, Boris de Schlözer, dont tous ceux qui s'intéressent à la littérature russe ont lu les belles traductions que vous avez publiées des romans et des nouvelles de Dostoïevski. Vos préfaces à des éditions de Léon Tolstoï, de Nicolas Gogol, de Léon Tchestov, parce qu'elles procèdent des mêmes vues esthétiques, rejoignent les études du musicologue, qui ont été couronnées par votre savante et si judicieuse introduction à Jean-Sébastien Bach. Vous attachez beaucoup d'importance au rôle du dialogue et du monologue dans les œuvres de Dostoïevski, me disiez-vous. On a souvent opposé Tolstoï et Dostoïevski comme poètes dramatiques et poètes épiques. Cette opposition est exacte, mais je crois qu'il faudrait voir de plus près ce que on pense quand on parle de Dostoïevski comme poète dramatique. Généralement, on considère que ces romans sont des drames parce qu'on insiste sur le rôle que joue l'action proprement dite dans ces romans, sur les retournements brusques de situation, sur les péripéties nombreuses de l'action, sur les coups de théâtre. Mais je crois que le roman de Dostoïevski peut être dit dramatique dans un autre sens. Je veux dire que la partie purement narrative chez Dostoïevski est beaucoup moins importante que les discours, les dialogues et les monologues. Si nous comparons surtout Dostoïevski à Tolstoï, chez Dostoïevski, la narration ne joue qu'un rôle secondaire. Elle permet de présenter les personnages, de les mettre en rapport
et de les laisser parler. Car c'est leur parole, leur discours qui les caractérise. Souvent, un personnage très important, par exemple Ivan Karamazov, dont les frères Karamazov, n'est pas du tout décrit de l'extérieur. Ce qui nous est donné, c'est sa parole, sa façon de s'exprimer. Et ce qui est frappant chez Dostoïevski, c'est qu'il est capable de faire parler les personnages les plus divers, depuis le valet Smerdiakov jusqu'au Stares Zosima. Chacun a sa façon de parler, chacun s'exprime dans sa langue particulière. Je crois que cela est très important parce que cela donne une signification particulière à la création artistique chez Dostoïevski. Ou bien les gens parlent à d'autres personnes, ou bien ils s'expriment seuls, comme par exemple le personnage de la Bois souterraine, ou celui du mari de la Douce, qui se trouvant devant le corps de sa femme, qui vient de se suicider, se demande ce qui s'est passé et pourquoi elle s'est suicidée. Ce sont les soliloques. Mais généralement, il s'agit de dialogues. Et sur quoi je voudrais insister, c'est que la façon dont s'expriment les personnages est en liaison directe avec ce qu'ils disent. Par exemple, dans Les démons, l'athéisme de Kirillov, sa façon de concevoir l'homme et Dieu qu'il veut nier, son athéisme est en relation directe et ne pourrait pas s'exprimer autrement que dans le langage de Kirillov, haché, incertain, bégayant. De même, le personnage de Chatov, quand il s'exalte pour exprimer son credo, ne peut pas s'exprimer autrement parce que ce qu'il dit est en relation directe avec la façon dont il dit. Je vous citerai encore un autre exemple qui me paraît frappant. C'est celui, justement, du personnage de la Bois souterraine. Ici, Dostoïevski a atteint une puissance d'expression qu'il n'a jamais plus dépassée. Et les paradoxes, les blasphèmes que sont presque se sont doutés, le personnage prononce, sont exactement ceux que pourrait prononcer un homme qui s'exprime précisément de cette façon. Je veux dire donc que le langage de Dostoïevski, dans les parties narratives et dans les parties de dialogue, sont deux langages différents. Dans les parties narratives, il écrit comme un bon écrivain secondaire. Il n'est pas très fort dans la description. D'ailleurs, ses descriptions, comparées à celles de Tolstoï, sont rares et pauvres. Mais dès qu'il fait parler des personnages, son langage change complètement. Alors, il acquiert une force, une puissance, une variété que je crois aucun écrivain russe n'a jamais atteint. Et je ne sais pas si dans la littérature mondiale, il existe un tel éventail de variations de langage. Il est encore un trait intéressant, je crois, à noter, c'est que Dostoïevski n'a jamais exprimé en son propre nom ce qu'il fait dire à ses personnages. On pourrait croire qu'il a eu peur de la censure, qu'il n'a pas osé se dire à lui-même ce que disent Ivan Karamazov ou Kirillov dans Les démons. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une crainte devant la censure ou d'une crainte devant sa propre conscience. Je crois que c'est en créant ces personnages qu'il a découvert les idées étranges, les idées audacieuses qui se trouvent, par exemple, dans la légende du Grand Inquisiteur. La légende du Grand Inquisiteur est l'œuvre de Ivan Karamazov, de Dostoïevski indirectement à travers Ivan Karamazov. L'athéisme de Kirillov n'est pas l'athéisme de Dostoïevski, il est l'athéisme de Kirillov, créature de Dostoïevski. C'est-à-dire que les personnages de Dostoïevski ont arraché à Dostoïevski des choses qu'il ignorait complètement et lui ont découvert, pour ainsi dire, le tréfonds de son être. C'est par
le personnage de la boîte souterraine que, probablement, Dostoïevski a réussi à se connaître. Ce qui est frappant, en effet, c'est que tous les grands romans de Dostoïevski, ceux qui, comme disait Nina Gurfinkel, font que Dostoïevski est notre contemporain, tous ces romans ont été écrits après la boîte souterraine, comme si la boîte souterraine ouvrait une porte à Dostoïevski, que dans la boîte souterraine, il avait réussi à manifester dans le langage réel quelque chose qu'il ignorait de lui-même. Il y a encore un trait qui est très particulier à Dostoïevski, c'est que dans la partie narrative, par exemple dans la présentation de Les Frères Karamazov ou des démons, même dans ce cas, il se camoufle. Ce n'est pas Dostoïevski qui raconte l'histoire des Frères Karamazov. C'est un personnage fictif qui serait soi-disant un habitant de la ville où s'est produit le drame des Frères Karamazov. Il en est de même des démons. C'est un personnage fictif, un prétendu témoin qui raconte l'histoire. C'est-à-dire que Dostoïevski se tient en dehors de ses romans, alors que Tolstoï, qui est considéré comme un poète épique, est beaucoup plus proche de ses romans, vu que ce qu'il raconte, c'est Tolstoï qui le raconte, de Natacha, de Pierre Bézouf, d'Anna Karine, etc. Tandis que ce que raconte Dostoïevski, c'est faussement qu'il apparaît sous le masque d'un habitant de la ville qui aurait assisté à toutes les catastrophes qui se succèdent. Mais c'est évidemment un être, ce personnage est complètement fictif, puisqu'il ne devrait pas connaître les dialogues qui se déroulent entre les différents personnages, dialogues auxquels il n'assiste pas, mais qu'il rapporte comme s'il en avait été le témoin. Cette prétendue présence d'un témoin, d'un personnage dans lequel s'incarne Dostoïevski, me paraît extrêmement significative. Tout ce qu'il écrit à partir de La boîte souterraine, ce sont des œuvres où les personnages s'affrontent, discutent, se parlent. Et même lorsqu'ils agissent, nous connaissons leurs actions, non pas par l'auteur, mais par ce témoin fictif. C'est pourquoi, me semble-t-il, il a été toujours très difficile de porter les œuvres de Dostoïevski à la scène, alors que leur structure est dramatique. Parce que, comme tout est dans le discours, tout est dans les dialogues et les monologues, il faudrait ne rien couper des monologues et dialogues. Mais dans ce cas, il faudrait faire de telle sorte que la situation des personnages soit compréhensible. La seule fois où un roman de Dostoïevski a été porté à la scène, c'est au Théâtre des Arts à Moscou. En deux soirées, tout le roman a été porté à la scène, mais les parties narratives, qui expliquent plus ou moins la situation des personnages, étaient dites par un acteur dissimulé dans un coin, et tout le reste se résumait uniquement dans les dialogues des personnages. Je crois que c'était la seule façon de présenter un roman de Dostoïevski au théâtre. Il n'y a pas d'autre moyen. Tous les autres essais ont été plus ou moins ratés, même le meilleur, la tentative de Camus pour les démons. De quel roman s'agit-il ? Des Frères Karamazov. Ensuite, le Théâtre des Arts a voulu faire la même chose avec les démons, mais ça n'a pas réussi parce qu'ils ont dû couper tout de même dans les dialogues des démons. Or, on ne peut pas couper les dialogues de Dostoïevski. C'est parce que si on coupe un dialogue, tout le roman s'écroule. Tout le roman est dans la succession et l'opposition des personnages donnés dans la parole de ces personnages et non pas expliqués par l'auteur. Thank you.
Paul Evdokimov, vous êtes l'auteur d'un grand Dostoïevski où nous avons trouvé un chemin qui relie ce romancier inclassable à toute une tradition de spiritualité patristique dont les églises orientales ont gardé jalousement le souvenir. Récemment, vous avez complété ce travail par un nouveau livre, Gogol et Dostoïevski, où vous développez certaines vues théologiques peut-être encore plus éclairantes, notamment sur l'éros. Voulez-vous nous dire quels ont été, selon vous, les rapports de Dostoïevski et de l'amour, son attitude personnelle en face de la femme? Tout ce que Dostoïevski a écrit sur la femme et sur l'amour n'est point le seul produit de son imagination, mais reflète très fidèlement l'expérience personnelle du romancier. Sa première femme, Marie Constant, est petite-fille d'un émigré français. Ftizique, Marie partage la vie de Dostoïevski pendant 7 ans. L'agenda de Dostoïevski soulève le voile sur la note dissonante de leur amour pathétique. C'est que cet amour est privé de l'éros équilibré et réciproque, et comme le note et souligne Dostoïevski, la pitié seule vacille sur l'abîme de la souffrance. Profondément désaccordés sur le plan des sens, ils ne pouvaient s'unir que sur le plan angélique où l'on ne convoite pas. Catherine Marmeladov, dans le roman « Crime et châtiment », incarne Marie dans toute sa cruelle, déchirante et si humaine vérité. Au pôle opposé, sa seconde passion fortement charnelle a failli brûler Dostoïevski. Pauline Souslov, femme infernale et Catherine Medici russe, apparaît dans la nouvelle Le Joueur, justement sous le nom de Pauline. Enfin, vient la synthèse et l'équilibre. Sa seconde femme, Anna, lui apporte la plénitude. Elle est à la fois sa mère et son épouse. L'année de sa propre mort, Dostoïevski écrit à sa femme, « Mon enthousiasme conjugal croît de plus en plus, je suis amoureux plus que jamais. » On accepte trop rapidement l'idée que Dostoïevski ne donne pas l'image positive de l'amour, et surtout que la femme n'est qu'une partie du destin de l'homme. C'est que l'essence de l'amour est irrationnelle, profondément mythologique, mystérieuse. La tension entre les deux pôles de l'éros est capitale. C'est la tension entre la pitié d'un être innocent et l'obsession érotique de la chair. Comme dit Dostoïevski, c'est l'ange qui se tient devant Dieu et en bas, c'est l'insecte tout ravagé par la concupiscence. Dostoïevski descend jusqu'aux racines métaphysiques de la volupté. Voilà devant nous Fédor Karamazov, le père. Il vit frénétiquement dans l'extase de sa propre sensualité. Sa passion monstrueuse dépasse de loin la seule physiologie. Elle s'accomplit dans la perversion de l'esprit. Lorsqu'il termine le récit de ses débauches par le sacrilège commis sur une icône miraculeuse de la Vierge, symbole de l'intégrité virginale, il donne le mot de l'énigme. Cette adultération spirituelle fait de l'homme un fantôme vivant dans un monde spectral. Tel est Svidrigailov dans « Crime et châtiment ». Le bruit de la robe, l'ondulation infernale du corps le rendent obsédé et fou. Énorme et pesant, Svidrigailov n'a pas cependant de vraie consistance. Il est tout tissé de vapeur mortelle et évanescente. Il vient du rêve de Raskolnikov et il s'en va de ce monde comme un dernier acte du même rêve fiévreux. C'est aussi, mais plus profondément, le cas si énigmatique de Stavrogin dépossédé. Son incapacité métaphysique de l'affirmation et de l'option, l'incapacité absolue de dire oui. Cette impuissance de son esprit se répercute dans son destin. Il n'est sorti de moi que de la négation, avoue-t-il. Sa force est sans limite, mais tragiquement aussi sans objet, sans point d'application. Sa vie n'est qu'une raillerie perpétuelle, c'est l'attitude enragée de l'enfer devant Dieu ou l'impuissance démoniaque devant l'être.
Lise, la jeune fille pure, veut le sauver par son amour. Mais les nuits passées avec Stavrogin font ressortir toutes les béantes vacuités de son cœur. L'érotisme sans limite prive et vide la passion de son objet. Et c'est l'ennui en commun, l'amorce déjà ici-bas de l'enfer. La phénoménologie de l'amour y découvre des éléments complémentaires, la pitié et la volupté. Et c'est toute la dialectique immense de l'esprit et du corps. La rupture de leur équilibre rend l'union impossible. C'est justement le sujet du roman « L'idiot ». L'angélisme du prince Mishkin le désincarne, altère quelque chose de sa personne. Sa compassion console sans doute, mais surtout ennuie Nastassia qui fuit le prince. Mishkin s'agite entre les deux femmes sans pouvoir choisir et s'unir à l'une d'elles pour former un seul destin. Par contre, la seule volupté brûle et extermine. Tel est l'amour de Versilov dans L'Adolescent et surtout l'amour charnel de Rogojin, l'opposé dialectique de Mishkin. Dans ses carnets, Dostoïevski note que la chute a brisé la monade homme-femme en masculin et féminin. Ces contraires peuvent se heurter dans une opposition insoluble, sans issue, ou apparaître complémentaires, faire coïncider les opposés, faire naître la beauté, symphonie des esprits et dans toute la plénitude de l'être humain. L'épanouissement secret de l'amour à l'ombre de son propre mystère, Botticelli le montre sous la pluie des langues de feu en une image saisissante de la pentecôte de l'amour. C'est aussi le chant sublime du Cantique des Cantiques, montrant que le véritable amour est de nature divine. Ce sont les flammes du feu dévorant de l'éternel, et c'est pourquoi le chapitre central des frères Karamazov est intitulé « Les noces de Cana ». L'Évangile place l'amour des fiancés dans le Christ et le miracle de Cana, le changement de l'eau en vin nouveau, et le grand symbole du changement de la passion brutale en amour charismatique, en communion nuptiale de nouvelles créatures. Tel est déjà le sujet de réflexion de Dostoïevski, le jour de la mort de sa première femme. C'est à l'ombre de l'offrande et de l'oblation que prend naissance et mûrit l'éros transfiguré et rendu charismatique. L'amour change les substances même des choses, dit saint Jean Chrysostome. Et c'est dans la foi seule que nous pouvons marcher sans être pris de vertige dans les espaces de la liberté. Et c'est justement l'expérience de Mitya et d'Alosha Karamazov. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin, or les gens sont assoiffés. » Leur soif pourtant n'est pas ordinaire, elle vient de la profondeur de l'esprit. C'est la soif à la mesure de ce qui est sans mesure, la soif de l'amour dont l'ampleur est telle qu'enfin la joie de Dieu y trouve son repos. Quel beau miracle entend Alosha lors de sa vision du royaume de Dieu, illuminé par le miracle de Cana. Il faut se consacrer à la joie. Qui aime les hommes aime aussi leur joie. Voici notre soleil, le Christ. Il change l'eau en vin nouveau pour que les joies des convives ne tarissent point. Dostoïevski nous laisse son testament. En se penchant sur lui, comme son ange gardien ou sa mère, la femme effectivement fait partie du destin de l'homme, mais dans la mesure où elle le sauve de lui-même, le déchiffre, l'accomplit et le parachève, parce qu'elle figure son salut, tout comme la Vierge Théotokos figure l'Église.
Dostoïevski n'est pas sans avoir été marqué par l'esprit des Startsy, ces moines qui sont des conseillers spirituels et même des directeurs d'âme ou de conscience très caractéristiques de la tradition russe. Le Starets Zosim est le maître d'Alyosha. Dostoïevski, s'il l'a transfiguré, ne l'a pas totalement inventé. Olivier Clément, vous professez à l'école théologique de Saint-Serge, voulez-vous nous parler de ce monde spirituel auquel appartenait le père Zosim? Dostoïevski n'est pas sans avoir été marqué par l'esprit des Startsy, ces moines qui sont des conseillers spirituels et même des directeurs d'âme ou de conscience, très caractéristiques de la tradition russe. Le père Zosim est le maître d'Alyosha. Dostoïevski, s'il l'a transfiguré, ne l'a pas totalement inventé. Olivier Clément, vous êtes chargé de cours à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Voulez-vous nous parler de ce monde spirituel auquel appartient le père Zosim? Dostoïevski n'est certes pas un docteur de l'Église, mais il est certain qu'il a été fécondé par ce qu'il y avait de plus vivant dans la spiritualité orthodoxe de son époque. Spiritualité qui connaissait, à ce moment-là, un incontestable renouveau. En effet, au passage du XVIIIe au XIXe siècle, l'Église orthodoxe a connu une de ces morts-résurrections qui rythment étrangement son histoire. Le XVIIIe siècle est une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'orthodoxie, sans parler de la domination ottomane dans l'Europe du Sud-Est. En Russie, le patriarcat a été supprimé, remplacé par un synode sur lequel règne, au plan administratif en tout cas, un haut fonctionnaire. Et l'abîme semble devenu irréductible, insurmontable, entre l'élite cultivée et l'Église. La résurrection est venue d'un ressourcement dans la prière, d'une réadaptation de la grande tradition spirituelle de l'orthodoxie, la tradition des silencieux, des hésicastes. Tradition qui vise, par l'invocation du nom de Jésus, à unifier l'homme dans l'expérience de la lumière, à unir l'intelligence et le cœur, à faire participer tout l'être de l'homme, son corps aussi, et l'univers lui-même, à la lumière du Christ transfiguré. En 1782, un moine du Mont Athos, Nicodème Lagiorite, fait publier à Venise un grand recueil de théologie mystique intitulé, selon la tradition, Philokalie, c'est-à-dire « amour de la beauté », au sens où la beauté exprime l'intégrité retrouvée de tout l'être, au sens où Dostoïevski dira « la beauté sauvera le monde ». Cette Philokalie a été traduite en slavon et orientée vers son destin et son service russe en Moldavie, sous la direction de l'homme qui a été l'animateur secret, le pôle spirituel de tout ce renouveau orthodoxe, lui-même a vécu dans la seconde partie du XVIIIe siècle, Païssy Velichkovski. La Philokalie slavone paraît à Pétersbourg en 1793 et sa parution est suivie de l'arrivée en Russie des disciples de Païssy, qui sont les initiateurs à la prière perpétuelle, à la prière du cœur. Ils trouvent du reste le terrain préparé par un renouveau monastique local dont le témoin le plus extraordinaire est Saint Séraphin de Sarov, le grand transfiguré de l'orthodoxie moderne. Et en effet, le caractère le plus remarquable de ce renouveau religieux est la floraison du Startchestvo, ce qu'on pourrait définir comme une paternité spirituelle, libre et créatrice. Plus précisément, le renouveau, la multiplication, la manifestation ouverte de cette paternité charismatique. Le starets, en russe, en grec, géros, le mot signifie simplement « ancien », le starets est un moine, prêtre ou non, cela n'a aucune importance, qui après toute une vie d'obéissance, d'humble travail, de prière, a reçu le don de la prière spontanée, de la prière perpétuelle, qui s'identifie au battement même de son cœur, même quand il dort, et par là devient, au sens orthodoxe, un homme apostolique. Un homme qui a reçu le don de prophétie, le don de guérison, et surtout ce discernement des esprits qui lui permet de dire la parole qui inquiète ou qui guérit, de révéler le péché secret, le péché inconscient, qui empoisonne l'âme, de déceler sous les cendres le point vierge où peut encore jaillir la lumière. Le starets reçoit l'ordre intérieur de renoncer à sa solitude et les foules viennent vers lui. Le starets représente donc l'événement spirituel, prophétique, totalement libre, destiné à purifier l'institution ecclésiastique. Il éveille les cœurs à l'humilité et à l'amour, il les libère non seulement de l'indifférence ou de la révolte, mais aussi du formalisme, du ritualisme, de toutes les formes du pharisaïsme ecclésiastique.
le Starets Macaire, le Starets Ambroise, contemporain de Dostoïevski, pour des raisons de santé, ne pouvait pas participer aux longs offices monastiques. Et quand Dostoïevski nous montre le corps de Zossima se corrompre, contrairement à l'attente générale, je dirais presque qu'il y a là l'affirmation suprême de cette totale liberté du Starets par rapport à toutes les formes de vénération traditionnelle. Les Startsy, il est facile de le comprendre, ont été souvent au début persécutés par la hiérarchie et par les grandes communautés monastiques. Certains ont animé une sorte de monachisme populaire, non réglementé, celui notamment des errants, des pèlerins, tel le pèlerin Macaire que peint Dostoïevski dans L'Adolescent. Mais les plus grands ont refusé une condition marginale qui pouvait les séparer de la réalité sacramentelle de l'Église au profit d'un spiritualisme déraciné, et ils se sont fixés à proximité des grandes communautés monastiques dans des sortes d'ermitages où vivait le maître spirituel librement choisi et quelques disciples, des ermitages qu'on appelait, selon la tradition du mont Athos, des skites. Et il en fut ainsi, en particulier au monastère d'Optino, dont le skite se trouve fidèlement décrit dans les frères Karamazov. Optino qui a été le lieu de prédilection pour cette paternité spirituelle. C'est devenu là une tradition locale, une sorte d'école qui a formé 4 générations de Startsy, chaque Starets formant son successeur en se l'associant pendant de longues années. 3 d'entre eux surtout comptent, Léonid, qui a vécu de 1768 à 1841, Macaire, de 1788 à 1860, et Ambroise, de 1812 à 1891. Le Starets Léonide, qui a introduit dans la ligne de Pasier-Velichkovski le Starchesvo à Optino et qui a créé le skit, était un homme du peuple, un homme rude, sans grande instruction, et dont l'influence est surtout exercée sur le petit peuple environnant. Mais tout change avec le Starets Macaire. Avec lui, le Starchesvo d'Optino entre dans un nouveau destin. Il s'ouvre aux problèmes de la culture, aux problèmes de la vie sociale et politique de la Russie. Et pour la première fois depuis Pierre le Grand, il comble cet abîme qui s'était ouvert entre l'Église et les milieux cultivés de Russie. Macaire était un homme doux et pensif, avec un sens esthétique très développé. Il était porté aux études, il était porté à l'expression intellectuelle de l'expérience contemplative. Et il a joué ainsi un rôle essentiel pour mettre au service de la spiritualité cette intellectualité, cette rationalité que l'influence de l'Occident faisait de plus en plus pénétrer en Russie et qui y revêtait souvent le caractère d'un scientisme profondément anti-religieux. Sa prière, devenue perpétuelle, lui permettait de ne presque pas dormir. Chaque après-midi, il recevait des foules de visiteurs. Il consacrait au travail intellectuel ses soirées et ses matinées, et il se réservait pour la prière solitaire les heures de la nuit, depuis 2 heures du matin jusqu'à 6 heures. C'était un homme d'une très grande humilité, et il avait un sens aigu de la beauté du monde. Il pratiquait ce que les pères grecs appellent la contemplation spirituelle de la nature, la contemplation de la flamme des choses, du monde comme buisson ardent. Il se réservait par exemple une heure de solitude au jardin, après le déjeuner, un jardin qu'il avait fait aménager, un jardin presque paradisiaque, admirant longuement chaque fleur. Et en hiver, il avait grande pitié des animaux, il s'occupait de leur donner nourriture en protégeant les plus faibles des plus forts. Et on pense ici à Marcel, le frère du Starets Zossima, qui demandait pardon aux oiseaux. Le Starets Macaire a fait un travail très important pour éditer en traduction russe les grands textes patristiques relatifs à la vie spirituelle. Et ce travail, il l'a fait avec l'aide d'un des plus grands philosophes russes de l'époque, le philosophe slavophile Jean Kirievski. Jean Kirievski se passionnait pour les idées du romantisme et de l'idéalisme allemand. Il se passionnait pour Schelling ou pour Bader. Et un jour, sa femme, qui était une fille spirituelle du Starets Macaire, lui dit « Mais il me semble que j'ai entendu parler de ces choses. Un peu autrement, mais tout de même, les mêmes préoccupations. Et par qui ? Eh bien, par le Starets. » Et Jean Kirievski est allé voir le Starets et il a découvert en effet dans cette pensée, dans cette tradition, dans ce sens d'une connaissance intégrale, celle du cœur intelligent, dans ce sens d'une toute présence des énergies divines, il a découvert au fond ce qu'il avait cherché à travers la religiosité inquiète du romantisme allemand. Et il n'a cessé de collaborer avec le Starets Macaire. C'est aussi l'époque où Gogol s'est rendu à Optino et il écrira au moine « À chaque instant, il faut que ma pensée dépasse les mesquineries de ce monde. Il faut que je me trouve toujours à Optino en gravissant la voie de mon pèlerinage. » Macaire jugeait
Il jugeait les grands problèmes de l'actualité, mais il les jugeait sur un plan spirituel, dans une perspective prophétique, apocalyptique. Il ne donnait pas de recettes, il changeait les hommes, il leur donnait une inspiration, un certain feu, qui leur permettait ensuite de servir efficacement dans la cité. Le Starets Ambroise, qui a collaboré avec le Starets Macaire et qui a continué son œuvre de traduction, le Starets Ambroise a porté à son apogée cette tradition de paternité spirituelle à Optino. Son intelligence, approfondie, affinée par la prière perpétuelle, s'était transformée en clairvoyance. Il lisait dans l'âme comme dans un livre. Un visiteur pouvait garder le silence, se dissimuler dans la foule. Le Starets connaissait néanmoins sa vie, l'état de son âme, le mobile qui l'avait amené. Il ne voulait pas manifester ce don de clairvoyance et il posait habituellement des questions à ses visiteurs, mais parfois il se trahissait. Ainsi, un jour, il répondit vivement à un jeune homme, un artisan, qui se plaignait d'avoir mal au bras. « Oui, tu auras mal au bras. Pourquoi as-tu frappé ta mère ?» Le plus souvent, il se bornait à des allusions discrètes, en général sous une forme humoristique. Une étudiante de Moscou, qui ne l'avait jamais vu, le traitait de vieil hypocrite. Poussée par la curiosité, elle vint un jour à Optino et se plaça derrière les autres visiteurs qui attendaient. Le Starets entre, il va directement à elle, elle dit « Ah, vous êtes venu voir le vieil hypocrite ». Après un long entretien, la jeune fille est devenue une de ses filles spirituelles. Deux qualités surtout, me semble-t-il, marquent la clairvoyance d'Ambroise. Un sens aigu du concret et une tendresse infinie. Un sens aigu du concret car il semble qu'aucun domaine ne lui était fermé. Il est de plein pied avec le sénateur de la capitale comme avec une paysanne. Il sait parler aux savants, à l'ingénieur, aux techniciens, aux philosophes. On l'a surnommé le Starets de la vie active. Il a toujours un conseil précis à donner. À l'un, il donnera des indications détaillées pour créer un système d'irrigation et à une paysanne des conseils très précis pour que ses dindes ne crèvent plus. « Ne comprenez-vous donc pas, disait-il, que pour elle, toute sa vie est liée à ses dindes et que la paix de son âme a après tout le même prix que celle d'êtres qui ont des exigences plus hautes. » Cette capacité d'attention se traduisait aussi par une infinie tendresse. Il ne jugeait pas. Il était toute compassion et tout amour. Et c'est pourquoi les plus misérables allaient à lui avec confiance. Vers la fin de sa vie, il disait souvent à voix basse, en hochant la tête, « J'étais sévère au début, mais maintenant, je suis devenu faible. Les gens ont tant de douleurs, tant de douleurs. » Et il se souciait surtout de vivifier, de guérir. Il manifestait de préférence son attention et son amour aux êtres les plus déchus, les plus agressifs, les plus méprisés. On pense au Starets Zosima devant le vieux Karamazov. Il n'a jamais désespéré devant l'immensité du mal et de l'angoisse humaine. Et les incroyants, ces chercheurs de Dieu, si nombreux dans l'intelligentsia russe, à la fin du siècle dernier, venaient vers lui. Toutes les voies spirituelles de la Russie passent alors par Optino. Non seulement Dostoïevski, mais Soloviov, mais Léontiev, qui s'est fait construire une petite maison dans l'enceinte du monastère et y a vécu 15 ans, mais Tolstoï, mais Rozanov. Et le témoignage est toujours unanime. Aucun, même ceux qui sont venus avec l'esprit le plus critique, aucun n'a pu trouver quelque chose de négatif dans la personne du Starets Ambroise. Tolstoï disait, après un entretien, « Ce père Ambroise est un vrai saint. Je n'ai fait que causer avec lui, et voilà que mon âme se sent tout allégée. C'est quand on parle avec des hommes comme lui qu'on sent la proximité de Dieu. » Un autre écrivain parlait de cet abîme insondable d'amour qui vivait en lui. Et Rozanov a conclu en disant « L'or a passé par le feu du scepticisme sans rien perdre de son éclat ». On comprend maintenant tout ce que la pensée de Dostoïevski doit au Starchesvo. Cette vision de l'homme dans sa profondeur, par exemple, et plus encore, me semble-t-il, deux réalités fondamentales qui n'en font qu'une, le sens aigu de la liberté spirituelle et le sens non moins aigu, le mystère de la véritable paternité, de la paternité dans la liberté. Dans la tradition hésychaste actualisée par les Startsi, Dostoïevski, me semble-t-il, a trouvé le sens vivant du mystère père-fils comme relation qui libère et qui construit et qui est peut-être la seule réponse à cette relation hegélienne maître-esclave qui est devenue depuis le XIXe siècle une des racines de la révolte et de l'athéisme moderne. Et après tout, tout le roman des frères Karamazov, et c'est la tragédie du père qui recoupe l'expérience personnelle de Dostoïevski, et tout le roman oscille entre le vieux Fyodor Karamazov, le père déchu, le père qui dégrade, le père qui provoque la révolte et la haine, et le Starets Zosima, le père élu, pour l'initiation de l'esprit et pour la bénédiction de la vie. Pourtant, les moines d'Optino ne se sont pas reconnus dans le personnage de Zosima,
Et Dostoïevski lui-même n'a nullement prétendu faire, avec Zossima, un portrait du Starets Ambroise. Pour deux raisons, me semble-t-il, que je voudrais brièvement indiquer pour finir. La première, c'est que la spiritualité sobre, dépouillée, liée à une ascèse incessante des Starti d'Optino, ne coïncidait pas entièrement avec le christianisme de Dostoïevski, qui est à la fois plus cataclysmique et plus dionysiaque. Dostoïevski se situe dans une autre dimension de la spiritualité orthodoxe, moins johannique, dirais-je, et plus paulinienne, et dont le représentant le plus remarquable en Russie fut au XVIIIe siècle saint Icone de Zadonsk. L'œuvre de saint Icone a d'ailleurs profondément marqué Dostoïevski, qui s'est servi des écrits de cet évêque devenu un humble moine pour rédiger les enseignements du Starets Zossima, comme pour créer le personnage de l'évêque Icone dans Les Possédés. Il y a en effet chez saint Icone une expérience de l'angoisse et de la conversion de l'angoisse en joie, en confiance totale, qui est très dostoïevskienne. De même qu'il y a un sentiment de la présence de Dieu dans le cosmos, une insistance sur la résurrection de la chair, sur la transfiguration universelle, qui ont certainement aidé Dostoïevski à assumer dans le christianisme sa mystique de la terre, sa mystique de la grande mère dont parle la Boiteuse. Et l'autre raison, c'est que Dostoïevski est un créateur, et que sa création revêt parfois, dans le domaine spirituel, un caractère prophétique. Il me semble que Dostoïevski a entrevu des formes d'athéisme, des abîmes, d'angoisse et de décomposition que ne rencontraient peut-être pas encore les Starti d'Optino, mais que nous voyons s'affirmer en notre siècle. Il me semble qu'il a entrevu aussi des formes nouvelles de vie spirituelle liées à des sociétés entièrement sécularisées, où les formes traditionnelles du monachisme ne peuvent guère survivre. Un monachisme dans le siècle, un monachisme intériorisé, celui d'Alyosha, un monachisme pour la transfiguration quotidienne de la vie. Et comme l'écrivait en 1906 Rozanov, Dostoïevski nous apparaît comme un Starets rêveur, dont l'analyse pénètre les tréfonds de l'être humain et dont l'imagination crée des univers radicalement nouveaux et des formes de relations entre les hommes qui jamais encore n'ont été sentis et expérimentés. Lui-même nomme cela un rêve, mais précise aussitôt que ce rêve est plus réel que toute réalité. Qui sait ? Si ces idées du chrétien Dostoïevski, ces idées impossibles, irréalisables, ne trouveront pas leur champ d'action lorsque surgira une toute neuve civilisation. Il a été fait allusion dans notre émission à cette sorte d'illumination qui s'était produite pour le jeune novice Alyosha Karamazov dans le monastère où venait de mourir le père Zossime. C'est ce chapitre, intitulé « Cana en Galilée », que Renaud Marie va nous faire entendre dans une traduction inédite de Michel Baya. Il se fit des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut convié aux noces avec ses disciples. Or, le vin venant à manquer, Dostoïevski a fait de ses noces de Cana le départ de la nouvelle mission religieuse d'Alyosha Karamazov. Le Starets Zossim est mort. Le novice Alyosha avait pris ce saint moine pour directeur spirituel, mais il pensait, comme les gens du peuple en Russie, que les corps des saints ne se décomposent pas après la mort. Aussi a-t-il été troublé dans sa foi lorsque, veillant auprès de la dépouille du père Zossim, que vénère tout un peuple accouru au monastère, il a senti, comme les autres, une odeur délétère se dégager prématurément du cadavre, celui-ci à peine mis en bière. L'événement a fait scandale. Les partisans du Starets en ont été humiliés, chagrinés. Les autres, ses ennemis, en sont ravis,
Car, observe Dostoïevski, citant un mot profond de Zosime, le pécheur aime à constater la chute du juste. Alyosha, dans un moment de révolte et de dégoût, a quitté le monastère. Il a même suivi l'impie séminariste Rakitin chez Grushenka. Cette fille légère s'est assise sur ses genoux et elle a parlé de prendre un couteau pour aller à la rencontre d'un homme. Mais Alyosha a retourné le cœur de cette pauvre fille parce qu'il l'a appelée sa sœur. Furieux, Rakitin a injurié Alyosha. Alors Karamazov est sorti de la ville et a regagné le monastère par les champs. Il était déjà très tard pour le monastère lorsque Alyosha arriva à l'ermitage. Le frère portier l'introduisit par une entrée particulière. 9 heures avaient sonné, l'heure du repos et de la paix après une journée qui avait été pour tous si agitée, si bouleversante. Alyosha poussa timidement la porte et pénétra dans la cellule du starets où se trouvait maintenant son cercueil. Il n'y avait personne, sauf le père Paisius qui lisait l'évangile devant le cercueil et le jeune novice Porphyre, épuisé par les entretiens de la dernière nuit et toutes les émotions de la journée. Il dormait du profond sommeil de la jeunesse, couché par terre dans la pièce attenante. Le père Paisius, bien qu'il eût entendu entrer Alyosha, ne détourna même pas la tête. Alyosha s'agenouilla dans un coin à droite de la porte et se mit à prier. Son âme débordait, mais ses impressions demeuraient confuses, l'une chassant l'autre dans une sorte de mouvement giratoire, régulier et paisible. Son cœur était rempli de douceur, et, chose étrange, il ne s'en étonnait pas. De nouveau, il voyait devant lui ce cercueil, ce défunt infiniment cher, enfermé de tous côtés. Mais la torturante et lancinante pitié pleine de larmes qui l'avait tourmenté toute la matinée avait disparu. Aussitôt entré, il était tombé à genoux devant le cercueil comme devant une chose sacrée, et le bonheur rayonnait dans son cœur et dans son esprit. Une des fenêtres de la cellule était maintenant ouverte. Un air pur et frais pénétrait à l'intérieur. Mais cette pensée de l'odeur délétère qui lui avait quelques heures auparavant semblé si horrible, si humiliante, ne réveilla plus en lui la même angoisse ni la même révolte. Il se mit à prier doucement, mais bientôt se rendit compte qu'il priait presque machinalement. Des bribes d'idées passaient dans son âme, s'allumaient comme de petites étoiles pour s'éteindre aussitôt, remplacées par d'autres. Mais dans son âme régnait quelque chose de fort, d'unique, comme une certitude totale et dont il avait conscience. Par instants, il se mettait à prier avec ardeur. Il avait besoin de remercier, d'aimer. Mais ayant commencé une prière, sa pensée glissait vers un autre objet. Il s'absorbait, perdait le fil de sa prière et la cause de sa distraction. Il voulait écouter ce que lisait le père Paisius, mais, épuisé de fatigue, il tombait peu à peu dans la somnolence. Et le troisième jour, il se fit des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut convié aux noces avec ses disciples. Les noces. Qu'est-ce que c'est, les noces? Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit d'Alyosha. Elle aussi est heureuse. Elle est allée à un festin. Mais elle n'a pas emporté le couteau. Pas le couteau. Ce n'était qu'un pauvre petit mot. Il faut toujours pardonner les pauvres petits mots. Ils soulagent notre âme. Sans eux, la peine des humains serait trop lourde. Rakitin a pris la ruelle. Tant que Rakitin ressassera ses griefs, il prendra toujours la ruelle. Mais la grande route est droite, inondée de lumière, cristalline, avec le soleil au bout. Ah, qu'est-ce qu'on lit?
Et le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : ils n'ont point de vin. Ah oui, j'ai laissé passer le commencement, je le regrette, j'aime tellement ce passage, les noces de Cana, le premier miracle. Ah, ce miracle ! Ah, ce cher miracle ! Ce n'est pas la douleur, mais la joie humaine que le Christ a visitée. Faisant son premier miracle, il a renforcé la joie des hommes. Celui qui aime les hommes aime leur joie. Le défunt nous le redisait sans cesse, c'était une de ses idées principales. Mitya aussi disait « On ne peut vivre sans joie ». Oui, Mitya, tout ce qui est vrai et beau est toujours plein de miséricorde. Cela aussi il le disait. Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et dit sa mère à ceux qui servaient « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites, donnez la joie à des pauvres, très pauvres gens, assurément pauvres puisque à leur noce le vin avait manqué. Les historiens écrivent que près du lac de Génézareth était alors disséminée dans toute cette région la population la plus pauvre qu'on puisse imaginer. Mais le grand cœur de cet autre être mystérieux qui était là à présent, sa mère, savait qu'il n'était pas seulement descendu pour l'accomplissement de sa terrible et souveraine mission, mais que son cœur pouvait comprendre l'innocente gaieté des gens simples et ignorants, dépourvus de malice, qui tendrement l'avaient invité à leur modeste noce. Mon heure n'est pas encore venue. Il avait dit cela avec un sourire, certainement il avait dû lui sourire avec douceur, mais en réalité, était-ce pour augmenter la quantité de vin à de pauvres noces qu'il était descendu sur la terre? Mais voilà, il est venu et a fait ce qu'elle lui demandait. Ah voilà, on lit la suite. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces urnes, et ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du festin. Et ils lui emportèrent. Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs qui avaient puisé l'eau le sussent bien, il interpella l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on a bu abondamment, il sert le moins bon. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » Mais qu'arrive-t-il ? Qu'arrive-t-il ? Pourquoi la salle s'agrandit-elle ? Ah oui, ces murs semblent reculer. Ce sont les noces, le mariage, oui, bien sûr. Voici les invités, les jeunes époux assis, la foule joyeuse. Mais où est le très sage maître du festin? Qui est-il? Qui? Les murs de la salle reculent encore. Qui donc se lève là-bas à la grande table? Comment? Lui aussi est ici? Il était dans le cercueil. Il s'est levé. Il m'a vu. Il vient vers moi, Seigneur. Oui, il s'approche. Il s'approche de lui, le petit vieillard sec avec son visage sillonné de rides. Il est tout joyeux et il rit doucement. Le cercueil a disparu. Il porte les mêmes vêtements que ceux qu'il portait encore hier lorsque ses amis s'étaient réunis dans sa cellule. Son visage est découvert, ses yeux rayonnent. Alors, lui aussi est au banquet. Lui aussi a été invité aux noces de Cana en Galilée. Oui, moi aussi, mon chéri, j'ai été appelé et convié. Il entend la voix de Zosime au-dessus de lui. Pourquoi te caches-tu dans ce coin? On ne te voit pas. Toi aussi, viens avec nous. C'était sa voix, la voix du Starets Zosim. Et c'est bien lui puisqu'il m'appelle. Le vieillard prit Alyosha par la main et il se releva de son agenouillement. Réjouissons-nous, buvons le vin nouveau, le vin du bonheur nouveau, immense.
voici l'époux et l'épouse. Voici le très sage maître du banquet, il goûte le vin nouveau. Pourquoi me regardes-tu avec étonnement? J'ai donné une toute petite aumône et me voici ici. Et nombreux parmi ceux qui sont ici n'ont donné qu'une petite aumône, une seule petite aumône. Que sont nos œuvres? Et toi, mon doux, mon pacifique enfant, tu as su donner aujourd'hui une aumône à celle qui avait faim et soif. Commence, mon bien-aimé, commence ton œuvre. Et vois-tu notre soleil? Le vois-tu? J'ai peur. Je n'ose pas regarder, balbutie Alyosha. N'aie pas peur de lui. Sa majesté nous effraie, sa grandeur nous terrifie, mais sa miséricorde n'a point de borne. Par amour pour nous, il s'est fait semblable à nous, et il se réjouit avec nous. Il change l'eau en vin pour ne pas interrompre la joie des invités, et il attend d'autres invités. Sans cesse, il en appellera d'autres, et cela jusqu'à la fin du monde. Voici qu'on apporte le vin nouveau. Tu vois les coupes? Quelque chose brûlait dans le cœur d'Alyosha, quelque chose l'oppressait jusqu'à la souffrance. Des larmes de bonheur s'échappaient de son âme. Il étendit les bras, poussa un cri et se réveilla. De nouveau le cercueil, la fenêtre ouverte et la tranquille, grave et lente lecture de l'Évangile. Mais Alyosha n'écoutait pas ce qu'on lisait. Chose étrange, il s'était endormi à genoux, et maintenant il se tenait debout. Et soudain, arraché à sa place, en trois pas rapides et fermes, il s'approcha du cercueil. Même en passant, il heurta l'épaule du père Paisius sans le remarquer. Celui-ci leva le regard sur lui, mais le détourna aussitôt, comprenant qu'il était advenu au jeune homme quelque chose de singulier. Alyosha considéra le cercueil pendant un bref instant, le mort, tout recouvert, étendu, immobile avec une icône sur sa poitrine et son capus surmonté de la croix à huit branches. Il y avait à peine un moment qu'il avait entendu sa voix, et cette voix résonnait encore dans ses oreilles. Il se penchait, attentif, il espérait encore des paroles, puis brusquement, faisant volte-face, il sortit de la cellule. Il ne s'arrêta pas sur le perron, mais descendit vite au jardin. Son âme, brûlée de transport, avait soif de liberté, d'espace. Au-dessus de lui, la voûte céleste avait renversé son immense coupole, pleine de paisibles étoiles scintillantes. Du zénith jusqu'à l'horizon s'étendait la double voie lactée, encore distincte. La nuit, fraîche et tranquille jusqu'à l'immobilité, enveloppait la terre. Les tours blanches et les coupoles dorées de l'abbaye étincelaient sur un ciel de saphir. Les opulentes fleurs d'automne, dans les parterres, le long de la maison, restaient endormies jusqu'au matin. Le silence de la terre paraissait se fondre avec celui du ciel, et le mystère de la terre touchait celui des étoiles. Alyosha, immobile, regardait. Et soudain, comme fauché, il se prosterna. Il ignorait pourquoi il étreignait la terre. Il ne comprenait pas pourquoi il avait soif de l'embrasser, de la couvrir de baisers en pleurant. Mais ses baisers étaient mêlés de larmes et de sanglots, et il promettait éperdument de l'aimer toujours, de l'aimer jusqu'à la fin du monde. Tu arroseras la terre de larmes de joie, et tu aimeras tes larmes. Ses paroles retentissaient dans son âme. Sur quoi pleurait-il au milieu de son ravissement? Ah, il pleurait même sur ces étoiles qui scintillaient pour lui du fond de leur abîme, et il n'avait pas honte de cette exaltation. Il lui semblait que tous les fils de tous ces mondes innombrables convergeaient dans son âme, et elle était toute vibrante au contact de ces autres mondes. Il aurait voulu pardonner à tous et pour tout et demander pardon. Or, non pas pour lui, mais pour tous les autres, pour tous et pour toutes choses.
les autres l'imploreront pour moi. » Ces mots aussi lui revenaient. De plus en plus, il sentait clairement et comme tangiblement quelque chose de ferme et d'inébranlable, pareil à ce firmament qui descendait dans son âme. Une idée s'emparait de son esprit pour toute sa vie et à jamais. Il s'était prosterné, faible adolescent, et il se releva, un lutteur viril, et cela pour toujours. Il en eut conscience à la minute même de son exaltation, et jamais de sa vie entière, Alyosha ne put oublier cet instant. « Mon âme a été visitée à cette heure, » disait-il plus tard, en croyant de toute sa foi à la vérité de ses paroles. Trois jours après, il quitta le monastère, conformément à la volonté du starets qui lui avait ordonné de séjourner dans le monde. Comme chaque samedi, France Culture vous a présenté Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Dostoïevski par Stanislas Fumet. Avec le concours de Constantin Androlikov, Dominique Arban, Olivier Clément, Paul Evdokimov, Nina Gorfinkel, Boris de Schleuser et la voix de Renaud Marie. Assistante de réalisation, Nicole Guesveler.